Oui, donc du coup, en fait, le confinement qui a lieu en France, moi, ça fait H24 que j'y suis, parce que sachant que je suis autiste Asperger, ça fait H24 que j'y suis. Moi, le confinement, je connais depuis longtemps, donc c'est pour ça que j'aime pas. C'est pas une vie, en fait, je la connais déjà, cette vie. Je dis sincèrement, c'est pas une vie, ça. Être resté tout seul, tout sans ses frères et sœurs, sans sa famille, sans personne autour de soi. Et encore, moi j'ai des voisins, mais ça suffit pas. Hein. Et puis je vous le dis tout de suite, le confinement c'est de la merde. Je dis franchement, ça suffit pas. En fait, le truc c'est que moi j'étais maniaque des mains. Je suis maniaque des mains en fait. Et j'ai toujours ce truc là, je vais vous montrer. Bon, ceci est un exemplaire, hein. C'est du luxe, hein. C'est Baleia, c'est de la marque allemande. Je vais pas vous montrer pour le lendemain, c'est du gel pour les mains, hydroalcoolique. Donc, du coup, je vous dis, je suis maniaque, je suis un vrai chieur, hein, parce que je suis maniaque. Et puis, du coup, les gens ne me supportent pas parce que moi, je suis autiste Asperger. Donc, du coup, les gens ne me supportent pas parce que j'ai toujours ça sur moi, j'ai toujours été maniaque, je vous ai dit. Les coronavirus, c'est comme un virus normal, tu prends des trucs pour te protéger, tu prends n'importe quoi, tu prends du savon, vas-y, je suis un maniaque des mains, je me lave 56 fois par journée les mains, minimum, et puis du coup, les coronavirus, voilà que. Franchement, je veux le dire, moi, j'ai pas de problème avec lui, mais c'est simplement que je pense qu'il y a les gens qui mangent du rat, je veux pas vous dire en Chine. Sont quand même des gens assez bizarres pour moi, puis du coup, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Et puis, je vous le dis tout de suite, moi, je suis quelqu'un, je suis hyper hygiénique. Je dis pas que je suis imparfait, hein, parce que c'est pas le cas, mais enfin, tu sais, moi, j'ai une hygiène corporelle, comment dire, sur les mains qui est énorme. Et donc, du coup, pour ça, je comprends pas. En fait, on n'a pas besoin d'en arriver à un confinement, ça, c'est une politique de merde. Et en plus, c'est du côté Merkel. En fait, du côté de Emmanuel Macron, il n'y a rien. Un peu du côté de Merkel, bah, tu as des policiers, tu n'as plus de douaniers, ils ne connaissent plus les zones et tout. Ce qui fait que je peux aller en Allemagne comme je veux, mais il suffit d'emprunter le chemin des vignes, tu vois. Et ça, je connais, ma mère le connaît, les douaniers ils connaissent, mais maintenant qu'il n'y a plus de douaniers, ben, du coup, la Bundespolizei, elle ne sert à rien, parce qu'elle ne connaît pas les petits chemins, puis du coup, elle ne peut pas m'empêcher d'aller en Allemagne. Et du coup, voilà, hein, dans l'absolu, le coronavirus, il est capable de tout. Hein. Et donc, je vous l'ai dit, moi, l'hygiène suffit, j'achète de l'alcool, vas-y, tu manges de merguez, bien, tu prends des vitamines, vas-y, tiens. Et puis le coronavirus, on l'emmerde. Hein. Et puis de toute façon, je veux dire, c'est pas lui le problème. Hein. Le problème, c'est nos politiques. Hein. Allez, ciao!